Move. Salut, c'est Max pour Move 13 Actu. Aujourd'hui, 5 choses à savoir sur Atlanta. Hey man, you gotta get up. Voilà. Atlanta, c'est la série 2 et avec Donald Glover, la saison 2 vient tout juste de commencer. Les habitants d'Atlanta s'appellent les Atlantiens et les Atlantiennes. C'est pas ouf, mais c'est comme ça. Atlanta, c'est le QG de Coca-Cola. Ça, on s'en fout un peu. C'est aussi et surtout la ville de naissance de pas mal de rappeurs et de groupes de rap. TLC, Migos, Young Thug, Lil Jon, Martin Luther King aussi. I still have a dream. Ok, lui, c'est pas un rappeur, mais quand même. Il n'y a pas que la série Atlanta qui se passe à Atlanta. Il y a aussi les saisons 1 et 5 de Walking Dead. Il y a aussi pas mal de films qui ont été tournés sur place, comme Black Panther, Baby Driver, Moonlight ou encore Contagion. Au départ, Atlanta devait durer qu'une seule saison. Donald Glover voulait en faire une sorte de Twin Peaks du hip-hop. Where am I? And how can I leave? D'où le côté bien barré de certaines séquences. Oh shit, it's Justin Bieber. Les fans théorisent sur le fait qu'il pourrait s'agir d'un univers parallèle au nôtre. Dans la vraie vie, Donald Glover n'a pas attendu un éventuel cousin rappeur pour devenir une star du hip-hop, ou plutôt du R&B sous le pseudonyme Childish Gambino. Il a déjà sorti 3 albums, il a remporté un Grammy, un 4e album est en préparation pour la fin de l'année. Ça sera son dernier sous ce pseudonyme. Après ça, Donald veut se consacrer à d'autres projets. On pense évidemment au cinéma puisqu'il a déjà tourné dans une dizaine de blockbusters. Il a failli incarner aussi le nouveau Spider-Man au cinéma. Spider-Man. Mais c'est finalement Tom Holland qui a eu le rôle. Donald fait quand même une apparition dans Homecoming. Évidemment, c'est la meilleure scène du film. You ain't never done this before, huh? Le pseudonyme Childish Gambino vient d'un générateur de pseudo trouvé sur internet par Donald Glover il y a pas mal d'années. Générateur Wu-Tang Clan. Quand on tape le nom Donald Glover dans le générateur, ça donne Childish Gambino. J'ai essayé avec le mien, ça donne Gentleman Samurai. Ouais, ça claque. Tu es connecté sur Move.